Salut tout le monde, c'est Yav35, on se retrouve pour l'épisode 9 sur Clash of Clans. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de la nouvelle mise à jour. Je pense que vous l'avez tous vu, ceux qui jouent régulièrement. Donc je vais vous montrer pour voir toutes les nouveautés, c'est ici. Donc il y a la nouvelle unité, j'ai pas de gameplay avec, vu que personne là dans le clan, ça vient de sortir. Donc pour améliorer la caserne déjà c'est 10 jours je crois, donc ça va mettre un petit peu de temps avant que des personnes aient cette unité dans le clan. Donc je vais vous montrer un petit peu ses caractéristiques si vous l'avez pas encore vu. Dégâts par seconde, ça tape rien du tout, c'est juste fait pour du tank en fait. C'est vous envoyez, ça va direct attaquer la défense anti-aérienne et ça tank, vous mettez des ballons derrière et ça fait un carnage quoi. Vous pouvez faire facilement avoir 2 étoiles sur des HDV 10 maxi avec ses troupes qui tankent énormément. 5700, si vous vous rendez compte, c'est pour vous comparer au dragon, c'est plus de quasiment 3 fois la vie d'un dragon. Au niveau, je sais pas, il y a combien de niveaux, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Ça doit être quasiment 3 fois la vie d'un dragon niveau 2 ou 1. Donc ça doit être, c'est juste énorme quoi. Ça peut prendre 2 têtes chercheuses et le truc noir, si vous voyez pas ce que c'est, je sais pas où ils sont. Ils sont là, voilà, c'est juste énorme. Ça fait 1500 de dommages, ça peut en prendre 3 du niveau 1 et ça tient toujours la route. Donc, pour vous dire comment c'est tanky, par contre, ça tape pas. Enfin, bon, une chose à la fois, il faut bien. Donc, sinon, il y a quoi comme nouveauté? On va aller voir ça. Donc, là, c'était la nouvelle troupe, les barbares niveau 7 qui coûtent 6 millions, si je me trompe pas. Je sais plus, j'ai un petit trou de mémoire. L'archer 7 qui coûte 7 500 000, les archers 7 qui coûte 7 500 000 et les archers 5 sont passés à 6 millions. Donc c'est ça qui est bien. J'attendais parce que là je voulais augmenter mes archers niveau 6, mais j'avais 6 millions pour vous dire. Donc il me manquait 1 500 000, j'aurais pu avec les villages gobelins vu qu'il me reste pas mal. J'aurais pu arriver à 7 500 000, mais je me suis dit on va attendre la mise à jour. Je suis sûr que les prix des archers vont baisser. Et ils ont baissé d'un million 500 000, c'est 1 500 000 d'économiser, c'est toujours ça. Les tours d'archères de niveau 13, donc je vais vous en montrer. La caserne de noir de niveau 6, après c'est, je vous montre ça vite fait, hein. C'est un peu moins important. Donc les héros qui se régénèrent plus vite, les Valkyries qui s'entraînent plus rapidement, les guerrières qui se concentrent sur les groupes, c'est cool. Et les sorts, quand on les supprime de la file de production, on a toutes les ressources, avant on n'avait que la moitié, donc ça aussi c'est cool. Puis on peut enlever les troupes dans les camps militaires et dans le château de clan. Le château de clan, c'est super bien ça. Je suis content. Et puis l'amélioration des vidéos, on peut mettre pause ou en x4 et on voit le troupe de l'étang, les troupes restantes, voilà. Et les remparts aussi, on peut améliorer avec de l'élixir. Enfin ça, je l'avais dit. Vous le savez sûrement, mais c'est une grande mise à jour et vous pouvez même améliorer toute une rangée. Vous voyez, ça vaut 1 900 000. Enfin, j'ai pas ça, mais je vais pas améliorer toute une rangée de remparts d'un coup, surtout à ce niveau-là. Donc du coup, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les tours d'archer niveau 13, meilleur clan, on va aller dans les meilleurs joueurs. Je crois que le premier mondial en a. Mondial. Voilà, assez classe quand même. Tour d'archer 13, assez classe en or. 98 dégâts par seconde, c'est juste énorme. Bon, une Tesla niveau 8 fait aussi dans les 90 je crois. Pour vous montrer un arc c'est 80 et un canon, bah, c'est que niveau 12 c'est un peu en retard, c'est 86. Donc les tours d'archer niveau 13 sont vraiment jolies et elles font super mal. Ah oui, il y a les casernes noires aussi niveau 6. On peut voir là, il y a des petites fissures de lave, je trouve ça super classe. Et la lave, ça ressemble à l'HDV10. Je trouve que c'est super classe d'avoir des trucs comme ça. En tout cas, le gars est niveau 147, à 4 500 trophées presque. Ça va, il se met bien. Il avait les gemmes pour tout mettre direct. Voilà. Enfin bon. Moi, sinon, j'ai lancé. Et depuis la dernière vidéo, quand même, j'ai passé 3 niveaux. J'ai mes arcs UX, mes 2 arcs UX, ils sont en train de passer niveau 2. Tous mes mortiers niveau 7, j'ai fait ça assez rapidement. Sinon, bah, j'améliore ma Tesla niveau 3, mon anti-aérienne 3, ma tour d'archer qui est en train de passer niveau 7. Et puis voilà, sinon, j'améliore un peu mes. J'ai amélioré tous mes camps aussi, j'ai fini, et puis voilà, sinon j'améliore surtout la défense. Arc UX, ça coûte 5 millions quand même, c'est assez difficile, hein. Je vais pas dire que c'est simple à avoir 5 millions. Donc sinon je suis toujours dans le Golden Warrior, je suis passé aîné, et à la classe, 439 pour 500, je crois que je suis le premier d'honneur là, en ce moment même.
Ouais, je crois bien. Et sinon, au niveau des guerres, voilà. Depuis qu'on est arrivé, je crois que je suis arrivé genre vers. Il y a 17 jours, vers là. Oh, 3 défaites, on prend assez cher. Mais bon. D'ailleurs, on est en guerre, on va faire une petite attaque, tiens. Non, je sais pas du tout qui attaquer, je sais pas. Ok. Il y a Dudu qui attaque le 20. Est-ce qu'on attaque simple? On met du niveau. Oui, je vais pas faire d'étoiles. Je vais juste revoir le 23. Je crois qu'il est assez compliqué, lui. Je serais bien tâté pour un HDV9, mais je sens que j'ai pas mes ballons. J'ai mes ballons niveau 6 de que dans 2-3 jours. Je ferai sûrement une vidéo avec des balles avec mes ballons 6. Ah, je vais kiffer ma race. Je crois ballon 6, ça change la vie en vrai. Hein, si vous voyez, je vais vous montrer un peu. Vous voyez, 100, là c'est 152 dégâts je crois vers là. Et 500 points de vie, ça change la vie quand même. Hein. Vous pouvez voir l'augmentation, c'est juste énorme. Ah ouais, tiens les gobelins, il m'en reste plus que 3 et là j'avais fait que 2 étoiles. Mais t'es un peu craqué. Je vous ferai sûrement les 2-3 dernières en vidéo. Si j'ai le temps. Bon du coup je pense on va jouer l'HDV8 ou pas. Ah putain, il a un bon village quand même. Il a un très bon village. Bon, je pense qu'on va essayer de faire pas mal d'étoiles sur cet HDV ou oh, je sais pas, je me tâte. L'HDV9, il y a l'HDV qui est sur le bord. On va essayer. Bon allez, on essaye. Qui ne tente rien à rien. On va essayer de faire une ou deux étoiles. Je pense honnêtement que je vais pas quoi. Ah, il y a la tour d'archer là en plus. Je pense honnêtement, je sais pas si je vais y arriver. Il doit y avoir des pièges anti-aériens et tout. C'est parti. On va voir. Donc ma compo, 27 ballons, 42 servis. Peut-être un peu trop de servis à mon goût là. Mais bon. Et le château qui va être très dur à vider. On va devoir envoyer. On envoie ça. On envoie ça. Tac. Ça. Merde. Donc, si on peut casser, on prend ce qu'on peut casser déjà. Ça fait toujours ça de moins à détruire. Alors, on va envoyer quelques ballons. On va essayer de faire sortir le château. J'aimerais bien faire sortir le château. Là, je suis en train de claquer tous mes ballons. C'est pas la meilleure solution. On va envoyer le château. Faut pas oublier que j'ai mon roi et marine. On va les mettre. Comme ça, ils font du DPC, des directs. C'est parti. On envoie les ballons. On va aller en envoyer un petit peu par là aussi. Tac, tac. Et on va mettre un autre sort de soin. Bon là j'ai peut-être un peu. Oh merde, mais ouais. J'ai pas pensé à ça, mon roi il va partir sur le côté, ça c'est dommage. On envoie un peu de serviteurs. Ah 43%. Aïe, je vais peut-être. Je vais y arriver, c'est bon les gars. Je ferai minimum une étoile. Il y a fort moyen. On envoie tous les servis. Allez, 5. On a l'étoile. On a une étoile les gens. Je suis content là. La deuxième, on va la chercher. Non, qu'est-ce qu'ils font, les servis? Non. Non, ils ont pas le droit de me faire ça. Ah, normalement, les archers devraient. On va finir le truc, si vous voyez. Hop, on va mettre le sort. Putain, il a failli crever. Bon, ça va, je m'en sors avec un 62%. Et 2 étoiles. Assez content, j'ai bien fait d'attaquer ça. En fait, c'était dans mes capacités. Enfin, heureusement que l'HDV était au milieu. Du coup, j'ai pas fait sortir le château. J'ai même pas vu ça. J'étais concentré sur mes ballons. Bon, du coup, c'est un 67% qui n'est pas trop mal. Hein. J'espère que j'aurai le bonus de victoire. Même si, à mon avis, la guerre est mal partie. Sachant qu'on a 13 attaques pour 20 étoiles. Et ils en ont 14 pour 21. Ah, ça peut jouer! J'ai fait 2 étoiles. On va voir. Une nouvelle étoile par attaque, même une 54, ils ont une 50. Ça, tout peut jouer encore. Mais je pense, ça va être très tendu et ça risque de casser vers la fin. Parce que là, on n'attaque pas des gros HDV. Vous voyez, dans le top 10, on n'attaquait personne. Tandis que eux, ils ont déjà fait deux tentatives et ils nous ont mis 4 étoiles sur le top 10. Et je pense que ça va nous jouer des mauvais tours. Enfin moi j'aurais peut-être pu attaquer plus gros mais bon j'attends avec des ballons 5 je pense que j'ai fait de mon mieux possible. Vous pouvez voir que
Ah lui, cette attaque là, ça a dû faire mal. J'ai juste envie de l'avoir parce que un 3 étoiles à ce stade là, ça doit faire très très mal. Ouais, en plus je vous montre les troupes disponibles. On a toutes ces troupes en bas. On peut accélérer le truc. On peut mettre en pause. Ouais, il fait un full slasher. Ouais, la seule technique pour mettre un 100%. Enfin, si tu veux pas claquer trop de ressources, genre faire un PK. Un PK golem, witch et sorcier quoi. Faut mettre des chevaucheurs. Des chevaucheurs 4 ou 5, ouais. Ça fait très très mal. Voilà, il va les envoyer. Vous allez voir, ça fait juste un carnage les chevaucheurs. Surtout avec des sorts de soins, il en a 3. Ou bah là, je comprends pourquoi il est mis à 100%. Il a une très bonne combinaison. On va accélérer un petit peu. Ouais, les 4 Tesla au milieu qui doivent faire assez mal. Mais bon, avec des sorts de soins, hein, les chevaucheurs ils sont invincibles, hein, autant dire. Regardez, ça fait le taf. Hein. L'arc X qui tombe. Et à ce moment-là, il reste. Oh, la bombe géante bien placée qui fait assez mal. Voilà, c'est gagné. Ça va, il met un joli 100%. Mais bon, mes chevaucheurs sont que niveau 2. Donc, quand je les aurai niveau 4, je ferai sûrement des attaques full chevaucheur pour vous montrer ça. Donc du coup, on va se laisser là, sauf que j'essaie de penser à savoir, on va mettre de tout, on va pas se rendre la tête, si j'ai rien oublié à vous montrer. Je ferme à 1800 trophées en or 1, bon là je suis monté un peu plus haut, je sais pas pourquoi, je vais sûrement je me fais attaquer en boucle en vrai. Sinon, voilà, cristal 3 bientôt. Bah, j'y suis déjà allé, mais je sais pas. Non, je vais peut-être pas monter en cristal 3 en farmant. Je pense pas, ça sera un peu difficile. Et puis sinon, voilà. Hein. Est-ce que SVP? Bah tiens, on va lui donner des services, j'en ai. Je suis sympa. Ah oui, tiens, j'ai fait un défi aussi. Enfin, j'ai donné 25 000 troupes. C'était cool. J'ai gagné 250, 250 gemmes. Et puis voilà. Hein. Sinon, j'avance. J'ai toujours pas détruit des tours de l'enfer. J'ose pas. Attaquer les gros villages comme ça, enfin, je pense que je passerai pas hein, parce que j'attaque qu'en farmant pour pas perdre de temps. Et puis voilà, ouah, 5 000 d'XP, le bonheur, un niveau pour un défi, ça c'est la classe. Du coup, on va retaper les sorts, voilà, on va faire ça. Et puis, est-ce qu'une oise d'élixir, on va pouvoir monter une muraille? Bah non, j'ai pas de oui, merde. Bon, du coup, voilà, je voulais vous montrer quoi d'autre. Je pense à un truc. Je réfléchis. Non, je crois que c'était tout. Je voulais vous montrer la mise à jour, faire mon attaque, montrer un peu le clan, les murailles que je voulais améliorer avec de l'élixir. D'ailleurs, rien qu'avec la même mise à jour, j'ai déjà amélioré tout ça. Bon, normalement, j'étais full 7. Si vous dites ouais, Gap, t'as amélioré les remparts 8 alors que t'as même pas tout 7, c'est parce que j'étais HDV 8, j'ai augmenté mes murailles 8. Et quand je suis passé à HDV9, j'ai mis mes autres murailles et j'ai pas encore fini vu que je m'y mets pas à fond dessus. Je garde l'or pour mes arcs UX, j'ai envie de les avoir niveau 3. Très rapidement, après je montrerai les tours de sorcier, je pense. Puis après canon et tours d'archer. En tout cas, les tours d'archer niveau 11 et les canons niveau 11, ils sont classe. Faut avouer, ils ont de la gueule. Et même les mortiers. Là, il y a tout qui évolue et ça change complètement. Et j'aime plutôt ça. Même les Tesla, elles sont juste magnifiques. Surtout au niveau 8, je kiffe. Et les dégâts aussi sont juste magnifiques. J'ai mis 72 plus 12 plus 12 encore, ça fait les dégâts d'une tour d'archer niveau 13. Et je pourrais avoir ça à l'HDV9. C'est ça qui est bon. Bon, du coup, on va se laisser là. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Et puis voilà. Sinon, j'ai pris 3 niveaux en 2 semaines. Ce qui est à mon niveau, je pense, juste énorme. 3 niveaux en 2 semaines, ça fait 15 000 XP en 2 semaines, ça va. Bon. Il y a quelques défis qui m'ont aidé, mais bon, voilà quoi, ça a quand même mis un petit coup de boost, surtout les mortiers et tout. En fait, je vous dirai une petite technique. Faut toujours que vos ouvriers ils tournent tout le temps. Moi, si vous verrez, si vous regardez toutes mes vidéos, j'ai jamais plus d'un ouvrier qui font rien quasiment. Genre là, voilà, évidemment, il est 22 h, je vais devoir aller dormir. Vu que j'ai cours demain, enfin, je vais aller réviser. Ah, si, 23 h, je sais pas. Je vais aller réviser et puis. Ah bah ça y est, j'ai mon entier dans 39 minutes. Je vais aller réviser et puis après je vais aller dormir. Puis vers 23 h. Ouais, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, laissez jamais vos ouvriers à rien faire vu que c'est très long d'améliorer les bâtiments, surtout les ArcUX ou les Tesla. Surtout les Tesla, c'est très très long. Les laissez jamais genre faire rien pendant plus d'un jour. Ce serait une perte de temps. Faut toujours que vos ouvriers tournent.
Même si vous voulez pas améliorer un truc, améliorez-le. C'est toujours du temps de gagner, quoi. Genre, dès que ça va être fini, là, mais vous voyez que j'ai que 4000, 400 000, 400 000 élixirs, pardon. Je vais direct lancer ma tour, une tour d'archer niveau, la tour d'archer niveau 8 ou l'antirène niveau 4. J'aurais pas assez pour la Tesla, dommage, mais faut toujours enchaîner, même si des trucs genre qui vous servent un peu moins. N'hésitez pas, même les pièges aussi. J'en vois beaucoup qui maxent pas leurs pièges, maxez les parce que des bombes géantes ça fait super mal. 25 dommages en plus, c'est pas négligeable quand vous avez des chevaucheurs ou même ouais tous les pièges faut les maxer et tout. Donc moi je pense, je sais pas du tout si vous avez maxé votre HDV9. On m'a dit à peu près 6 mois pour maxer un HDV9 en étant cool, 4 mois en étant à fond. Enfin je verrai, là ça fait déjà quasiment un mois que je suis dessus sur mon HDV9, donc je trouve que j'ai pas trop glandé, donc j'avance plutôt vite, ça c'est cool. Bon du coup, c'est bon. J'arrête de parler, je vais vous laisser. Puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.